Le marché du courtage en crédit immobilier, finalement, c'est une profession très récente, donc avec des évolutions régulières. Le principal enjeu pour nous aujourd'hui va résider en maintenant une relation de confiance avec nos clients et à la fois aussi maintenir cette relation de confiance avec nos partenaires bancaires. Il est important pour nous, effectivement, de conserver cette double relation de confiance, apporter un réel service à nos clients et en même temps continuer à apporter un service de qualité à nos partenaires financiers, c'est-à-dire nos partenaires bancaires. Aujourd'hui, nous sommes l'une des portes d'entrée les plus efficientes pour les clients ayant un projet immobilier. Le courtier, aujourd'hui, va accompagner le client tout au long de sa démarche bancaire. Nous allons analyser de manière objective toutes les offres que nous avons reçues de la part de nos partenaires bancaires, en regardant à la fois la partie, on va dire, financière, c'est-à-dire nous allons mesurer le coût de chaque solution. Nous allons aussi regarder la partie plus qualitative en explorant les conditions générales du financement, à la fois les clauses de modularité, à la fois les clauses de fonctionnement du crédit de manière générale. Ensuite, nous allons accompagner notre client, nous allons aussi le rassurer. Il est important pour nous que nous puissions être au maximum près du client pour ce projet. C'est souvent le projet d'une vie et nous en avons conscience. Alors, depuis la crise sanitaire, nous avons observé une réelle mutation dans le schéma relationnel avec nos clients. Les entretiens en visio, les signatures électroniques, le zéro papier sont devenus légion courante. Il est important pour nous d'être ancrés dans ce nouveau système afin de répondre au mieux aux exigences de nos clients et de nos partenaires bancaires, ce qui nous permet justement d'optimiser notre temps pour être encore plus présents aux côtés de nos clients. Tous les canaux de distribution et de communication sont importants pour nous. Les réseaux sociaux aujourd'hui présentent une importance de plus en plus grandissante par rapport effectivement au nouveau schéma. Nous travaillons principalement sur des réseaux tels que LinkedIn, Facebook, Google ou Instagram. Ces réseaux permettent effectivement d'avoir une réassurance auprès de nos clients pour mesurer nos évolutions et nous suivre sur notre communication. Les prospects ont de plus en plus tendance à effectivement aller sur ces réseaux afin de se faire un avis avant de travailler avec un partenaire. Nous sommes par contre très conscients qu'il faut être hyper professionnel et vigilant sur la communication que nous avons au quotidien sur ces réseaux. Il est très important pour nous d'apporter le conseil le plus efficace à nos clients. Nous avons décidé de travailler avec Cardif, qui est pour nous un des acteurs majeurs du monde de l'assurance emprunteur. Ils proposent des produits de qualité. Ils sont très efficaces dans les rapports qu'ils ont avec les clients et le rapport qualité-prix de leurs produits fait partie des meilleurs du marché. Nous avons donc tout logiquement choisi de travailler avec la société Cardif. Nous avons la chance de travailler avec Cardif depuis de nombreuses années. L'un des principaux points forts de Cardif est pour nous qu'il a su évoluer avec son marché. De par sa digitalisation, de par les outils qu'il utilise au quotidien, Cardif fait partie effectivement des acteurs majeurs du marché pour nous. De plus, Cardif nous laisse une grande autonomie dans la modification de certains paramètres une fois qu'on a signé le contrat. Et enfin, je dirais qu'il est très important aussi pour nous de reconnaître que Cardif sait nous associer sur les décisions qu'ils prennent avant de modifier certains produits ou certains services qui peuvent être proposés aux clients.